Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Alors oui, toujours pas de décor, toujours pas de update niveau travaux. Je suis crevée, ça me tue, c'est chiant, j'en ai marre. J'ai besoin de vacances, envoyez-moi des vacances. En attendant les vacances, on va regarder des vidéos ensemble. Mais mec, tu montes où là? Le gars est tellement essoufflé, on dirait que ça fait une demi-heure qu'il est en train de monter. Oh, mais c'est hyper haut. Oh my god, t'imagines que tu tombes là-dedans, mais y'a personne qui te retrouve, mais c'est fini mon gars. Bon, personne qui te retrouve, personne qui va retrouver ton corps, hein, parce que ça m'étonnerait qu'en tombant là-dedans, tu vas en sortir vivant. Est-ce que toi t'oserais monter si haut? Alors là, cette vidéo, elle doit pas être agréable pour ceux qui ont le vertige. Non mais t'as des gens. Pitié, dites-moi que ce mec est attaché. Je peux pas croire que le gars se promène comme ça en mode tranquillou là, sans être attaché. Ah bah voilà, on a vu la corde. Ouais, ça fait quand même flipper, hein. Moi-même attaché, je suis pas sûre d'avoir les couilles de faire ça. Et puis oui, niveau décor, pour me sentir un peu moins seule, j'ai mis Marcel à côté du trophée. Ça me fait un peu de compagnie. Non mais... Fallait juste courir dans un des deux sens pour éviter le mec, quoi. Pourquoi tu nous as fait la technique de la biche? Vous savez pas ce que c'est la technique de la biche? Attendez, je vais vous expliquer. Alors en gros, t'as deux possibilités quand il y a un obstacle, enfin quand il y a quelqu'un qui vient vers toi. C'est tu cours à gauche ou à droite. Tu cours à gauche ou à droite, voilà. On a des problèmes avec la gauche et la droite, là. Bah la biche, non, c'est pas ce qu'elle fait. Donc la biche, elle fait ça. Elle est là au bord de la route, tranquillou. Voilà, vous imaginez que je suis une biche. Bon, elle court au milieu et elle s'arrête. Elle fait genre, elle va à gauche, mais non. Elle va à droite, mais elle s'arrête quand même. Du coup, tu la tapes et puis après, bah tu culpabilises pendant 3 ans de ta vie pour avoir tué une biche complètement dingue. Voilà, donc ça, c'est la biche. La biche, sur la route, c'est une connasse, hein. Ah, j'adore ce genre de vidéo d'archives, c'est trop bien. C'est vraiment mort. Il y a même pas de cinéma, il y a même pas de gare, il y a rien du tout à Beson. Bah c'est de la merde, Beson. C'est pour ça qu'on sort le samedi soir sur Paris. Hein. Soit les meufs descendent à Paris, ou alors elles restent chez elles en train de dormir, tu vois, en train de regarder Dallas. Dallas. Attendez, là je suis sûr que 99,9% d'entre vous ne savent même pas ce que c'est Dallas. Oh my god. S'il y avait pas le week-end, ben ça... On pourrait pas passer la semaine au travail. Hein, parce que nous, on n'a qu'un but, c'est bien s'éclater le week-end. Oh, la classe! Vous allez où, là, les meufs? Vous voulez qu'on vous accompagne? Ah, non, je accompagne. Pas grave. On peut les accompagner. Mais vas-y, sur les champs, il y en a des mieux. Le numéro, il n'existe pas. On s'est fait carotter. On vous a eu, là. Je me suis sûr que c'était un fou numéro, moi. Oh my god. Mais t'as des gens, mais... Moi, même à pied, je flipperais d'aller me promener là-bas. Est-ce que toi, t'oserais aller te balader là-bas en vélo? En plus, la vitesse des mecs, quoi, ils en ont rien à faire. On dirait qu'ils sont en train de se promener tranquillou sur la chaussée, c'est pas possible. Pitié, faites qu'il n'y en ait aucun qui tombe, s'il vous plaît. Ok, la vidéo s'arrête là, donc on ne sait pas si quelqu'un s'est pété la gueule. J'espère que non, mais vous savez, comme je dis toujours, ce que tu ne sais pas ne peut pas te faire du mal. Mais mon gars, mais... Eh, le gars en plus habillé en orange, on dirait une carotte. Ah, la blague toute pourrie. Mais comment il est arrivé là-dedans? Mais non. Mais c'est pas possible d'être bête comme ça. Je suis désolée. Oui, c'est pas gentil de dire que les gens sont stupides, mais alors là, celui-là, c'est de la stupidité, mais avec un diplôme, quoi. Et le mec, il a fait un mini stop cardiaque. Mesdames et messieurs, voici la chute la plus longue que vous ayez vue de toute votre vie. Moi, pendant des années, je donnais des cours particuliers de français. Oui, ça a toujours été assez drôle de se dire que je suis d'origine roumaine. Je suis arrivée en France qu'à l'âge de 6 ans et j'ai fini par donner des cours particuliers de français aux Français. Bref, à chaque fois, je leur disais, je suis tombée dans les escaliers. Tu tombes directement, t'es pas tombée pendant 2 heures. Donc, tu utilises le passé composé. Et là, la règle, elle s'applique pas, quoi, parce que le mec, ça fait 20 minutes qu'il est en train de tomber. Je n'ai presque pas entendu mon chauffeur crier les flics.
Aïe, aïe, aïe. Oh, le réflexe. Nice. Non, mais les gars, là, mais vous voulez jouer avec mes nerfs, là, c'est pas possible, avec mon cœur, avec ma résistance cardiaque. Bah, j'espère que le chauffeur a pas bu, hein. Non, mais c'est quoi cette idée, là? Tellement de questions me viennent en tête. Tellement de pourquoi me viennent en tête. Pourquoi en moto dans la maison? Pourquoi en moto dans la maison? Et pourquoi en moto dans la maison? Mais mon gars. Oh, la vitesse du mec. Bon. Oh mon Dieu. Oh, le pauvre. Oh, la colonne vertébrale. Non. Souvent, quand on te dit danger à deux roues, tu penses direct à la moto. Et pourtant, le vélo est hyper dangereux. Hein. Ah oui. Ok, mon cerveau vient de se bloquer, mesdames et messieurs. Voilà, je n'arrive plus à parler, je n'arrive plus à penser. J'ai juste envie de dire waouh. Bah, c'est quoi ce truc? Ah, c'est une petite souris. Mais non, elle s'est coincée la tête. En plus, avec les yeux qui brillent, on est un gars en train de pleurer. Non, Ratatouille s'est coincé la tête dans la poubelle ou dans je sais pas ce que c'était. Ok, comment le mec s'est fait catapulter? Non mais... Eh mais il est vachement haut le mec là. Ok, il est juste pas en train de s'arrêter de monter là. Non, j'ai pas envie de voir le mec en train de tomber, s'il vous plaît. Dites-moi que le gars, il est pro, il va redescendre. Non, mais là, c'est pas possible. Le gars, il va traverser l'Atlantique, là. Oh eh, mon gars, hein, lâche pas hein, le truc. Hein. Oh, ça va, il redescend. Il redescend. Ah, il a réussi. Oh, mon Dieu. Bah, le mec, il a pas besoin de prendre l'avion, hein, clairement. Lui, il te fait Paris-New York comme ça, tranquille. Ah oui, ça, c'est clairement pas mon grand-père. Hein. Ah oui, moi, mon papy, avec ses deux paquets de clopes par jour à 75 ans, c'est pas la même forme. Hein. Le mec, c'est l'incarnation de la phrase « L'âge n'est que dans la tête hein. ». Parce que là, tu caches la tête, en gros, tu mets comme ça, tu regardes que le corps. Et tu lui donnes pas plus de 40 ans. Hein. Et apparemment, non mais attendez que je regarde. Sur le poste, c'est écrit que le gars, il a 66 ans. Ok, pas sûr que je sois comme ça, 66 ans. Hein. Non, mais c'est quoi ce pont Wish, là? Non, mais il y a aucun moyen que ça tienne. Ok, ceci est la traversée de rivière la plus stressante au monde. Allez, vas-y, t'y es presque, là, il y a la cabine qui est passée. Doucement, te dépêche pas. Regarde, le camion interminable. Non, non, non. T'y étais presque, punaise. Je sais pas si chez vous c'est pareil, mais alors moi, mais j'ai un camailleux de couleur d'automne. Ok, très intéressant, merci beaucoup. De... Oh God, oh my god, oh my god, le direct, il n'y a que ça de vrai. Dès que j'arrive à la maison. Ou alors le matin, dès la première gorgée de café, les gars. C'est trop bas, c'est trop... C'était trop bas. Mais quelle bonne idée de filmer ça en slow motion. C'est génial, bravo. Pourquoi je l'ai dit en anglais? Aucune idée, je voulais dire au ralenti. Allez, j'ai envie de voir. Le mec, on dirait qu'il est rentré dans un vortex. Par contre, ça doit faire trop peur parce que bah du coup, dès que tu sors, tu sais pas ce qu'il y a de l'autre côté. J'espère juste que les nuages sont pas à ça du sol. Hein. C'est trop, trop beau. My God. Là, depuis quelques temps, j'ai tellement envie de faire du saut en parachute alors que toute ma vie, j'ai dit je ne ferai jamais ça.
Non, c'est trop gênant. Non, non, tu peux pas poster ça. Non. En plus, des gens comme moi, du coup, l'ont sur leur chaîne YouTube. Donc même si tu l'effaces, c'est ta vie. Maintenant, ça va te suivre. Hein. Eh ben oui, la meuf, elle s'est transformée en bad girl comme ça. T'inquiète. Les grands qui vont couper la viande au plus petit qui sera assis. J'adore cette émission. Tu sais pas couper une viande? Tu sais pas couper une viande? Non, mais on m'aime la coupe. Ta maman te coupe ta viande à toi? Ouais. Mais attends, t'as quel âge? J'aime bien, la super nanny qui est en train de bugger, elle est là. Ta maman te coupe ta viande? Genre là, son cerveau, il a explosé. Son cerveau a quitté son corps en même temps que son âme. Non mais t'as quel âge? Mais maman, elle t'essuie les fesses aussi aux toilettes. Maman! J'aime bien le gros moment de choc. Où est-ce que j'ai atterri, moi? Où est-ce que j'ai atterri? Présentez. Non, c'est pas qu'elle sait pas la couper, c'est qu'elle veut pas. Non mais je kiffais tellement cette émission, mais moi ça aurait été mon gosse, mais j'aurais pris la viande. Mais tiens, mais dans ta gueule là, t'as qu'à la couper, bah t'as qu'à la manger avec les mains. Voilà, tu manges ça comme du pain, tu manges ça comme une chips, je sais pas, tu te démerdes. Ça va pas les parents là. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un like. Et n'oubliez pas d'activer les notifications si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos. Eh, c'était dur à dire ça. Pourquoi j'ai bugué? En attendant, moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao!